Le gaming est sa passion, bienvenue chez Keke Spy Knight. Viens relâcher la pression, plein de jeux y compris Fortnite. Lâche au pouce bleu ton GG, abonne-toi, suis son parcours. Membre de la team MPG, en live quasi tous les jours, V de Strime. Salut la team, c'est Keke. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo pour un VS de deux petits tas de boosters. Donc il y a 5 boosters de Genesect, et 5 boosters de Ectoplasma Gigamax. Donc on va s'ouvrir ça. Et pour la suite, après, en booster, il me reste, j'ai compté 4 petits tas de points de fusion. Et chaque petit tas, il restera 4 boosters à chaque fois. Là jusqu'à maintenant, je suis avec 5 boosters et pour ce qui me reste à venir, des 4 petits tas, et bah à chaque fois il y a 4 boosters. Donc voilà. Bon, et plus un pack que j'ai acheté en plus de points de fusion de Oupa V. Donc voilà. Alors, on va les enlever de leur carton déjà avant de commencer le déballage des boosters. Donc, hop, c'est parti. On les déballe, hop, tac, hop, voilà, hop, voilà, tac, hop, ok, boum, hop, tac, hop. Voilà. Tac. Hop, voilà. Ok. Voilà, 5 boosters. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ok, et on déballe les Ectoplasma Gigamax. Alors. Tac. Mets ça là, hop. Hop, et tu fais facile à ouvrir cela. Enfin, les autres sont faciles aussi, mais je veux dire, voilà, c'est venu tout seul quoi. Hop, bah lui aussi, tiens. Hop, bah lui aussi, bah finalement, tout le monde vient tout seul en fait. Voilà, les 5 boosters de Ectoplasma Gigamax. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ok, j'ai envie de commencer par Genesect et on terminera par Ectoplasma Gigamax. Je m'excuse, petit grattage d'oreille. Parce qu'à chaque fois, les problèmes d'oreille, ça me gratte dans l'oreille. Donc voilà, donc on met les Ectoplasma Gigamax de côté pour l'instant. Et on va ouvrir les 5 boosters de Genesect pour l'instant. Donc c'est parti, on y va, let's go. Premier booster de Genesect. Alors, comme d'hab, le petit code online. Hop. Voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Donc, c'est parti. On commence avec un petit Lee Magma. Avec un Skitty. Avec un Hexadron. Knélocroc. Vosturno. Énergie Feu. Bercecat. Voilà la forme évoluée de Mérous de Galar. Énergie Point de Fusion. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle, Énergie Point de Fusion. Et Éclat d'Enisia. Knélocroc un peu comme une reverse. Voilà, un peu comme une reverse. Et en rat, nous avons Yveltal. Point final. Ok. Première ouverture de booster, pas ouf. Donc on va voir, peut-être qu'on va avoir des bonnes cartes. Des bonnes cartes par la suite, on va voir. Il faut espérer. Mais un peu.
Voilà. Tac, tac. Hop. Voilà. Alors. Là, nous avons le petit code online. À chaque fois, je vous donne. Dans chaque booster, je vous donne un code online. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Alors, nous avons un Corillon de Galar. Voilà. Un Corillon de Galar. Un Quillfish. Un Goopix. Pardon, il y a le focus un peu. Voilà. Le Vénard. Zigzaton de Galar. Énergie Combat. Belle de Neige. Voilà. Fenard, Togedemaro, Momouflon un peu comme une reverse, je vois derrière ça brille, oh, ouf, oula, et en rare nous avons Fulgudog V, en reverse, ouais je crois que c'est en reverse, waouh, celle-ci elle est pas mal, celle-ci, alors là mon gars, là, c'est un peu du lourd, je dirais. Donc, je vais la mettre sous pochette. Hein. Allez, sous pochette. Alors. Hop, ma petite pochette. Il ne me reste plus beaucoup, d'ailleurs. À force, bah, c'est mon dernier paquet. Et puis là, j'arrive. Je commence à arriver vers la fin des pochettes. Après, j'en aurai plus. Pour protéger mes cartes. Bon, j'ai mon petit classeur de feuilles transparentes que j'avais eu dans ma petite valisette de 25 ans de Pokémon. Donc, à la rigueur, quand j'aurais pu les pochettes, bah, je me servirais de ça. Ça me dépannera un peu, mais bon, je pourrais pas en mettre beaucoup. Parce que, comme il y a un moment, le classeur sera fini, bah voilà. Vous avez compris. hop, il y a un peu comme le reverse, on va les mettre là. Tac, voilà. Allez, elle est belle, hein. La Fulgudog V, là. Je pense c'est une belle carte. Hop. Ensuite, on continue. Et après, il restera deux boosters de Genesect. Alors, voilà. Alors, le petit code comme d'hab. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Alors, nous avons à l'Arvibule. Nous avons un Mantisma. Nous avons un Kelurior. Point de fusion. Un Kelurior point de fusion. Nous avons un Carvana. Nous avons un Coquiperl. Point de fusion aussi. Nous avons Énergie Eau. Nous avons un Momouflon. En normal cette fois-ci. Nous avons Gant Spongieux. Nous avons Belle de Neige. Nous avons Enchouette un peu comme une reverse. Et en rat, nous avons Trépassable. Ok. Ok, ok. Je pense qu'on a toujours des un peu comme des reverse avant la rare. Donc, ça, à chaque fois, je crois que c'est presque sûr qu'on en a. Donc, bah voilà quoi. Allez, avant-dernier booster de Genesect. Hop. Voilà. Alors. Le petit code. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Alors, nous avons un petit Lixi. Nous avons un Lapporeil. 1000 points. Nous avons un Bargantua. 1000 points également. Nous avons un Larvébule, nous avons un Ferrosinge, nous avons Énergie Eau, nous avons un Flobio, nous avons un Flotoutan, Feuilloutan, pardon, excusez-moi. C'est Flotoutan, c'est son. C'est. Bah, c'est lui là. Voilà. Hein. Nous avons un Récepteur Croisé, point de fusion. Nous avons un Toxizap, un peu comme une Reverse. Voilà, je sais pas si on voit un peu, mais
Voilà, c'est un peu comme une reverse. Et en rare, nous avons un Papelusion holographique. Voilà. Un petit Papelusion en holo. C'est cool. Sympa. J'aime bien. J'aime bien. Ok. Bon, bah, on valide quand même. Hein. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Ça doit faire en sorte que c'est pas trop le bazar. Dernier booster de Genesect. Avant de passer aux 5 autres boosters. Donc en tout, hier, il y avait, ben jusqu'à maintenant, il y avait 10 boosters. Hein. Dans notre vidéo, il y avait 10 boosters. Hop. Voilà, le petit code qui fait plaisir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nous avons un Kainos. Nous avons un Hexadron. Nous avons un Morpeko. Point final. Nous avons un Kelurior. Point de fusion. Nous avons un Quillfish. Nous avons énergie électrique. Oh, c'est rare quand j'ai une énergie électrique. Nous avons Victini. Nous avons un Lampérois. Nous avons un Sorodo. Et nous avons un Enchant, un peu comme une reverse. Voilà, un peu comme une reverse. Et en rare, nous avons un Elégatueur holographique. Ouais. Elégatueur holographique. Et bah écoutez. Je valide aussi. Ouais, très belle. On a deux Enchant, un peu comme une reverse. Bah c'est cool. Enfin, c'est cool. J'en double quoi, mais. Voilà. Ah, franchement, l'allégature, elle est bien aussi. En holographique et puis le Papelusion en holographique, franchement, elle est belle. Voilà. Voilà pour les Genesect. Maintenant, on passe aux 5 derniers boosters de Ectoplasma Gigamax. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, c'est parti. On y va, let's go. Alors, premier booster de Ectoplasma Gigamax. Attendez. Voilà. Alors, nous avons. Oh. Un portable qui fait des siennes. Bravo. Le code. Ah, ça, heureusement, ça m'a pas coupé la vidéo. Là, on voit ma tronche. Non, ça va. Ah là là, j'en peux plus de ce portable. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Nous avons un petit Caïmenus. Dites donc. Nous avons un Brocélome. Nous avons un Ronflex. Voilà. Nous avons un Frissonil. Nous avons eu sa forme évolutive dans le Genesect. Nous avons un Fantirme. Ok, point de fusion. Ok. Nous avons énergie eau. Nous avons feu tout temps. Nous avons Crisacier. Nous avons point de pas de combat BMP. Nous avons Trousselin un peu comme une reverse. Et en rat, nous avons Salarsan holographique. Écoutez, les holos, elles tombent là. Les holos, elles tombent, j'ai envie de dire. Ça tombe, les petits holos là. Elles tombent. Écoutez, bah, c'est joli aussi, les holos. Hein. Voilà. Bah alors, allez, on a qu'un minus. Voilà. Hop. Tac, tac. Voilà. Ok. On continue. Hop, deuxième booster de Ectoplasma Gigamax. Le petit code. Alors. 1.
2, 3, 4, 1, 2. Hop. Alors. Ouf. Il y a une belle carte derrière. Toxizap. Starry. En 1000 points. Mise des bulles. Hop. Makuhita. Point final. Flotajou. Énergie. Énergie. Ah, je sais même plus. Je le savais. Tant pis, pas, on va dire argenté. Hein. Mais je crois pas que c'est comme ça que ça se dit, mais je me rappelle plus. Je sais plus si c'est énergie ombre ou un délire comme ça. N'est-ce pas? Lampérois. Un solo dos. Danseuse. Stélix, un peu comme une reverse. Et en rare. En rare, mes chers amis. En rare, nous avons Genesect V. Genesect V qui tombe ma gueule. Ouais. Génial. Ça, c'est une belle carte. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, mon gars. C'est ça qu'on veut. Mais oui, c'est ça qu'on veut. Là, on a eu Fugudog V dans les boosters Genesect et dans les boosters Ectoplasma Gigamax, on a eu Genesect V, justement. C'est ça qu'on veut, mon gars, c'est ça. Ça, c'est des bonnes cartes. Ça, c'est des bonnes cartes. Voilà, l'Astélix qu'on met là. Et les autres, voilà, qu'on met là. Ah, ça fait plaisir. Les cartes comme ça, ça fait plaisir. Hein. Ça fait grave plaisir. Voilà. Il reste plus 3 boosters de Ectoplasma Gigamax. C'est parti. Hop. Alors. Le petit code. Voilà. N'hésitez pas si de faire pause sur la vidéo pour prendre votre petit code. Comme ça au moins. Vous restez fixe sur la carte. Vous prenez votre petit code avec le scan. Et voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, je sais pas pourquoi j'allais faire à 2, 3, 4, 5, mais non, c'est 1, 2, 3, 4, mais ouais. Nous avons Goubou. Nous avons Morpeko. Nous avons Evoli. Nous avons Coquillas, 1000 points. Nous avons Voltorb, 1000 points final. J'allais dire 1000 points final, n'importe quoi. Point final. En énergie combat. Nous avons Torgamore. Nous avons Colimucus. Nous avons Sana. Nous avons Sapero, un peu comme une reverse. Et en rare, nous avons Azumarill. Ok. Ok, ok. Ok. Hop. Attendez que je remette bien les cartes. Hop. Voilà. Et avant dernier booster de Ectoplasma Gigamax. Voilà. Alors. Nous avons le petit code qui fait plaisir. Voilà. 1, 2, 3, 4. 2. Voilà. Alors, on continue avec l'Arbibule. Avec Ferrosinge. Avec Cradopo. Avec Flamajou. Avec Mucuscule. Et avec Énergie Bas Ombre, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Un solo dos. Nigomix 3000. Blanc coton, Zarude, waouh, un peu comme une reverse, et en rare, nous avons Limaspeed, point de fusion. Ok, allez, ok, hop, voilà, ok,
Et l'avant-dernière. Le dernier booster, je voulais dire. Plutôt parce que moi, j'ai un max. Hein. Hop. Le petit code. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Oh, nous avons une belle carte en rare. Je sais pas ce que c'est, mais on va découvrir à la fin. Alors, nous avons Escargot. Nous avons Sapero. Nous avons Rototop. Nous avons Gobou. Nous avons Chenipan. Nous avons Énergie Feu. Nous avons Bleu Ciel. Nous avons Disparaît-il. Voilà, on a eu lui tout à l'heure. Sa pré-évolution. Nous avons Chelours. Nous avons Tournicoton, un peu comme une reverse. Et en rare, nous avons. Waouh! Tyranocif en V! Tyranocif en V! Mais on a de la chance! On a de la chance! On a eu 3 V, les gars! On a eu 3 V! On a eu 3 V! Ça fait plaisir! Ça fait plaisir de ouf! Regardez les 3 V! Tyranocif V! Genesect V et Fulgudog V. Franchement, elles sont super belles. Elles sont super belles. Je kiffe de ouf, là. Là, je kiffe de ouf. Donc, on a eu des bonnes cartes. On a eu des super bonnes cartes. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Je remonte encore une fois. Hein. Les 3 V, voilà. Les 3 V qui sont là. Et il est un peu comme une reverse. Qui sont juste ici, voilà. Tac, 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 tac. Et les holos qui sont là. 1, 2, 3. Là, un peu comme une reverse, là. Et là, ok. Et là. Ok. Voilà. Comme ça, j'ai tout mis, les un peu comme une reverse. Et les 3 holos. Ils sont magnifiques aussi. Voilà. Ok. Bah écoutez, on a eu quand même des belles cartes. Entre les V, les un peu comme une reverse et les holos, et bah je peux vous dire que tout ça, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Hop. Tâche avec un petit élastique. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Voilà, voilà. Bon, après, je sais, oui, des fois, il y en a qui se disent, ouais, il devrait pas mettre un élastique, ça abîme les cartes, machin. Mais pour l'instant, pour les ranger, j'ai pas d'autre solution, quoi. Je les mets en taille, après, j'ai un tour dans l'élastique pour mieux les ranger. Parce qu'après, bah, j'ai peur si je les mets dans une bannette, un truc dans le genre, bah, ce sera encore pire, parce que ça va s'éparpiller de partout. Donc, c'est encore pire, donc ça va s'abîmer. Donc j'ai pas envie de les abîmer, donc je me dis bah pas trop les abîmer, il y a la seule façon, c'est de mettre en tas et entourer d'un élastique. Et puis bah voilà quoi. Voilà voilà. Pour l'instant, j'ai pas d'autre solution. Bon, les amis, bah ça fait plaisir de cette pioche. On a quand même eu des bonnes cartes. Je m'attendais pas à ça. 3 V quand même, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, bon, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager à fond la vidéo. Si des nouvelles qui arrivent sur ma chaîne et puis que vous découvrez mon contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications sur tout, ce qui est surtout personnalisé aucun. Vous pouvez cliquer sur tout, comme ça pas mal de notifs. Et bah, si je sors une nouvelle vidéo ou des fois je fais des lives, bah, il y a une notif qui vous prévient qu'il voilà, se passe ci et ça sur ma chaîne. Mon chien qui gueule, ça fait plaisir. Sur ma chaîne principale, mes lives ou mes vidéos, peu importe. Et bah, n'hésitez pas à partager tout ça sur vos réseaux sociaux, les gars, je compte sur vous, comme ça qu'on arrivera, qu'on ramènerait du monde sur la chaîne.
et puis qu'on vous ferait connaître un peu plus et qu'on avancera en termes d'abonnés. Et que ce soit en discrétion individuelle ou en discrétion des lives, le chat des lives avec la petite commande du bot. Et dans mon à propos de chaîne, vous y retrouverez mon Twitter, mon Insta, mon Snap, mon Facebook, mon TikTok, mon Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre tout ça, à me rejoindre mes réseaux, mon Discord, et à vous abonner à mes réseaux. Je suis actif, je réponds à tout le monde, vous inquiétez pas. Donc voilà, même dans mon serveur Discord, en privé ou en public, machin, je réponds. Il n'y a pas de souci. Et pareil, dans la description de mes vidéos, dans la description des lives et dans le chat des lives avec la petite commande du bot et de moi à propos de chaîne, vous retrouverez sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir me suivre, à venir me follow sur ma chaîne Twitch. Je suis très actif sur ma chaîne Twitch en plus de ma chaîne YouTube. Donc franchement, n'hésitez pas, il y a toujours du contenu à droite à gauche. Donc voilà, c'est là que je fais plus de live maintenant sur ma chaîne Twitch. Donc franchement, n'hésitez pas. Allez, sur ce, la team, c'était Keke sur les cartes Pokémon et Payboucler Point de Fusion. Et on se retrouvera pour d'autres ouvertures, bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, en attendant, je vous dis tchuss, la team.